Nous avons appelé ici la
Et j'ai adopté cette attitude-là depuis le mois de
les genoux jusqu'à maintenant. Et papa a cessé de prier ici en disant pour la colère. Et je disais, mais sur il parle de quelle colère en fait. Parce que je sais ce que je veux essayer, et voilà. Je ne m'occupe pas des gens. Donc on m'appelle, je dis, voilà une situation. Je dis, ok, je me contentais de prier. Mais le samedi, lorsque les membres de la famille sont arrivés ici, on a prié et je pouvais entendre sortir de la voix de ma grande sœur avec qui nos rapports étaient plus bons. Elle a sorti sa bouche. Pardon ma petite sœur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai comme l'impression que j'ai été utilisée pour ce coup de sort. Et lorsque cette phrase est sortie, je suis arrivée à la j'ai tenu le nom de l'Éternel, j'ai dit Seigneur, merci pour cela. Donc je viens tenir le nom de l'Éternel pour ça ce matin. Et la paix et la sérénité sont en train de revenir progressivement avec le monde de ma famille. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Bon, si j'ai un témoignage, quelqu'un dit c'est lequel. C'est lequel. C'est un témoignage compliqué. C'est même toi. Alléluia. Amen. Alors, le premier témoignage, c'est de ne pas négliger les ustensiles spirituels. Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais négliger les ustensiles spirituels. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, ça ne dit pas des armes avec lesquelles vous combattiez ne sont pas jamais. Est-ce que tu sais que ton t-shirt là peut te sauver? Le t-shirt d'un homme de Dieu peut te sauver. Alors, pendant qu'on avait une séance de travail côté du tribunal, qu'est-ce que j'avais à faire. Et puis, par la suite, je rentre dans le bureau d'un procureur. Avant de rentrer devant la porte, je vois des agents avec une maman de l'église. Elle venait à la Nomba télé. Elle m'a salué. Shalom, papa. Shalom, ça va. Oui. Oh. Ok. Papa, la situation est grave. Il y a quoi? Oh, il y a mon fils qui est dedans là-bas. C'est compliqué. Là, il y a un problème avec. Une unité de la place de la main, on doit le libérer. Il est en ce moment dans le bureau. Je dis d'abord, le bureau, tu le prends. Quand je rentre, ben, ce gars-là, non seulement il a des tatouages de partout, qui sont quelqu'un qui a une vie assez difficile. Et c'est pas un peu. Pas dérangé, mais qui m'a surpris. C'est qu'il y avait le t-shirt de la ramassée. Je dis, oh, j'ai compris que c'était le fils de la dame. J'ai dit, lui, là, un mensonge. Je ne l'ai jamais vu. Même comme ça, c'est vrai, il y a plein de monde. Hein. Oui, on n'est on pas là pour retenir les visages. Mais lui, là, je ne le connais pas. Il y a le t-shirt, là, on a la casquette. J'ai dit, oh, le procureur dit, oh, bébé, ça, c'est pas toi, c'est le truc-là. J'ai dit, oui, c'est ton fils spirituel. Je peux encore faire comment. Il a le t-shirt. C'est mon fils, tu ne m'entends aussi. On a parlé de ça. On a parlé de ça. J'ai prié pour toi pour ça. Et quand tu vois la main de Dieu, il a commencé à pleurer. Et Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Et le magistrat a revoir sa position. Bien qu'il a donné des conseils. Et il a vu la main de Dieu. Je crois qu'il devait être ici ce matin. Sauf si je vois des numéros qui font appeler là, certainement c'est lui, mais que la main de Dieu soit avec lui. Alléluia. Le même témoignage, je crois que l'évangéliste Eddy aussi l'a eu, avec, je crois, le t-shirt, pendant qu'il était du côté de l'eau, le vin d'eau. Alors les gens s'arrêtent pour dire non, je connais le t-shirt qui est sur le t-shirt là. Si je connais, c'est ce que vous faites à côté. Maintenant, si je connais, c'est non, le prophète. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas négliger le t-shirt. Alléluia. Et ne négligez pas, ça peut te sauver comme ça a sauvé ce jeune-là. Et je crois par la foi que tu dois te connecter à ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et cette semaine n'a pas été si facile. Effectivement, nous sommes dans la même ligne. Alléluia. C'était très difficile. Ça dit, tu as un vertige qui ne dit pas son nom. Je crois que le thème de ce jeune-là était connecté à janvier de l'an dernier jusqu'à présent. Non, c'était fort. Tu marches, tu as le vertige.
Dieu là, tu as le vertige. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Dieu nous a vraiment fait grâce et nous bénissons. Avant qu'on ne vienne me chercher, j'ai vu combien la pesanteur, la vision là est partie. Alléluia. Amen. Donc c'est important de faire le jeûne recommandé de Dieu. Alléluia. En ce matin, je vais certainement t'épater au travers de cette prédication. Je veux que tu sois connecté à cette prédication. Tu l'as déjà certainement entendu, mais pas de cette manière. Je vais te parler comme un docteur parle. Je prends mes responsabilités devant Dieu, devant toi. Quiconque osera lever la voix, je vais définir la ligne de sa pensée intellectuelle par rapport à la notion de la Bible. Nous sommes là pour servir Dieu. Et ce que Dieu m'a révélé ce matin, pas de plus, parce qu'il a changé le message. Le message qu'il a donné là, c'est un message. J'ai posé une question, c'est pourquoi tu me donnes un thème comme ça? Déjà, même pas de thème. Alléluia. Amen. Est-ce que Pasteur Tony peut m'aider là? Pasteur Coralie, venez. Pasteur Lionel. Amen. Alléluia. Venez derrière moi. Il y a un texte là. Il y a un thème ici là. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de texte. Pourquoi? Parce qu'on a développé l'algorithme. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que il faut lire ce que Dieu demande de dire. Il ne faut pas dire ce que toi-même tu me dis. Soyez. Alléluia. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 3, au verset 19. J'ai besoin d'un lecteur rapide, quelqu'un qui est là pour lire la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que le thème de ce matin, c'est la révélation du front.
De quel front parle-t-on? On parle de ce front-là, que beaucoup de personnes négligent. Alléluia. Vous négligez la puissance du front. Aujourd'hui, le christianisme révélé par les hommes intellectuels est responsable de trouver les âmes. Sachant que la vérité des Écritures se cache dans la révélation. Il faut la révélation. Parce que la révélation est conduite de l'Esprit. Alléluia. Tu dois connaître ce qui s'est passé là où tu es. Avant que tu sois dans le corps de ta mère. Avant que tu sois ma mère. Avant que tu puisses être ma mère. Tu es l'algorithme. C'est la même chose avec ton front. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois beaucoup prier pour ton front et pourquoi est-ce que tu ne dois pas donner ton front à n'importe qui. Nous sommes en train d'avancer progressivement dans le message que Dieu a mis dans mon cœur et dans mon esprit. Lorsque la Bible ici nous renvoie dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 19, la Bible dit « C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». Je ne sais pas qui a dit à un chrétien que lorsqu'on cherche la face de Dieu, tout est facile. Lorsqu'on parle du pain ici, on parle de la parole. Quand on cherche la face de Dieu, on doit transpirer. Quand on cherche la vie, on doit transpirer. Le pain ici représente la parole. Et toute personne cherchant la parole doit faire quoi? Doit faire un travail. Et le premier travail que vous devez faire, c'est de commencer à donner un programme à ton corps. Ton corps se déplacer pour aller quelque part recueillir des informations, aller quelque part recueillir de la manne. Vous avez besoin de la manne. Lorsqu'on cherche la vie, on transpire. La transpiration ici est la marque de la pénitence. La transpiration ici est la marque de quelqu'un qui est en train de chercher afin de ce qu'on appelle la vie. Et toutefois, on voit quelqu'un qui transpire, revenir à la maison, le haut en sueur, ou le visage en sueur, automatiquement, les enfants ou la famille se mettent dans la compassion. La compassion ici, dans ce registre-là, c'est le fait que vos parents, lorsque vous venez dans les églises, doivent aussi se connecter à votre présence. Bien aimé, je voudrais te rappeler ceci. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont connu une vie compliquée. Il y a des personnes qui ont connu le chanvre, qui ont connu le vin, qui ont connu une vie très simple. Lorsque cette personne-là décide de chercher la part de Dieu pour être membre de sa famille, il va avoir la compassion. Il faut avoir de la pitié pour cette personne. Il faut d'abord encourager cette personne. Parce que la personne était morte, mais la personne a décidé de
de tuer quoi? De tuer la cigarette, de tuer le gars, de tuer les insultes, de tuer ceux qui ne n'ont pas Dieu pour chercher quoi? La vie. Et lorsqu'on cherche la vie, ça la sueur de quoi? La sueur du front. C'est la sueur du front. C'est pourquoi Dieu qui a créé le ciel et la terre est une dimension inexplicable. Parce que quand Dieu dit, on mangera à la sueur de notre front. On mangera. Celui qui lit la Bible saura comment déjouer les plans de l'ennemi. Celui qui médite la parole saura comment déjouer les plans de l'adversaire. Saura comment rentrer dans la main Jérusalem de sa vie. Il y a le code caché dans la Bible. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Vous n'attendez seulement que recevez le mariage. Vous recevez la bénédiction. Mais attention. Attention à ta manière de recevoir. Est-ce que c'est l'esprit de consécration en toi qui reçoit ça au point où lui reçoit, mais dans ton être intérieur, tu es toujours prisonnier. Il y a des choses qu'on reçoit, qu'on met en réserve. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire le nettoyage. Lorsque tu achètes tes nouveaux meubles et tu amènes ça à la maison, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de nettoyer d'abord quoi? Ça, avant de positionner ce que Dieu a demandé de faire. Et c'est la chose que vous devez commencer à faire. Lorsqu'une bénédiction rentre dans vos vies, il faut commencer à nettoyer d'abord les choses anciennes. Parce que la Bible présente toutes choses comme des choses nouvelles. Alléluia. Comme toutes choses nouvelles. La parole persiste en disant ceci. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Pourquoi la Bible nous parle de la terre? La terre ici, c'est la matière avec laquelle Dieu nous a tous créés. Lorsque Dieu est venu sur la terre, dans ce monde, tu n'es pas venu avec la tue. Lorsque tu es venu dans ce monde, tu n'es pas venu avec les yeux. Lorsque tu es venu dans ce monde, tu n'es pas venu avec les injures. C'est pourquoi, quand quelque chose t'arrive, lorsqu'une situation ne tourne pas rond dans ta vie, au lieu de commencer à insulter, aller te dépenser les tangas, aller commencer à rêver de réunions qui n'ont rien à voir, commencez à vous retourner vers celui qui a créé le ciel et la terre, le Sahara. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'on retournera toujours ça, au sort. On sera toujours sort. C'est-à-dire que même ton cercueil avec le temps sera bouffé par l'éternité. Et lorsque tu attrapes le cercueil, ce sera comment? De la poussière. Dans tes vêtements seront comment? De la poussière. Déjà, après un certain temps, lorsqu'on nous enterre, ce sont les termites là qui nous poussent à l'intérieur du cimetière, à l'intérieur du cercueil. Après, avec 2 mois, on devient comme on va dire quoi? Les zombies, c'est des odeurs. Elle dit, c'est les asticots qui nous bouffent le visage, nous bouffent partout. Alors, lorsque vous voyez de telles choses, il faut éviter de vous approcher aux choses de la terre. C'est normal d'avoir la voiture. C'est normal d'avoir la maison. C'est normal d'avoir des immeubles. Mais ne faites pas de ces choses-là des dieux. Ne faites pas de ces choses-là des titres fonciers. Bien aimé, il y avait une époque avant où on pouvait encore s'accrocher aux voitures. Il y avait une époque avant où on pouvait s'accrocher aux maisons. On pouvait s'accrocher aux biens de la terre. C'était l'époque où on vivait plus de 100 quelques années. Mais de nos jours, à peine tu payes la voiture, tu t'es privé toute une vie pour payer une voiture d'un certain niveau, le lendemain, fini. Alléluia. Tu as passé le temps à acheter le linge. Le même linge là, lorsque Dieu te teint les yeux, tu vas aller où? En bas. Le linge va rester avec qui? Le linge va rester avec quelqu'un qui ne t'a jamais dit bonjour. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre conscience de la notion de votre front. Alléluia. Il faut prendre conscience. Et il y a une manière d'attirer Dieu dans nos vies. Il y a une manière d'attirer Dieu dans nos vies. Il y a une manière d'attirer Dieu dans nos vies. Alléluia. Parce que le foi a plusieurs caractéristiques. Le foi que vous voyez là a plusieurs caractéristiques. On sait à quel moment où vous êtes content. On sait à quel moment où vous êtes nerveux. On sait à quel moment où vous êtes joyeux. Pourquoi? Parce que tout se passe au niveau de quoi? Au niveau du front. C'est pourquoi l'une des caractéristiques du front, on a le front sévère. À cause, démontré par quoi?
par alléluia les petites histoires, comment on appelle encore les histoires là, ouais, les fonces, je ne sais pas si on appelle ça les fonces, tout à l'heure, vous pouvez faire vous, soit ici on connaît les rites, on est en Afrique, alléluia. Ah, quelqu'un avait au nom de Dieu réfléchi, comment ça dit ton berger? Non, ton berger peut plus te semble dans ton cœur. Alléluia. Alors, attends ton berger de Dieu réfléchi. Quand tu es dans le camberge, moi, dis non réfléchi. Raccourci. Amen, amen. Donc, après, nous avons ce côté là, le fond frère, qui est un signe qui nous montre la position intérieure de la personne qui porte sa vie. Est serein dans une situation, il ne panique pas. Pourquoi? L'expression du front démontre déjà la position de la personne. On a aussi le front joyeux. Et toutes ces choses-là nous amènent toujours à avoir des positions avec le Seigneur. C'est pourquoi vous devriez aussi faire très attention. Bien aimé dans le Seigneur. Comme le prend rapidement Luc 5, verset 12. De Dieu, on doit se connecter à Luc 5, verset 12. Alléluia. Luc 5, verset 12. Et c'est là le problème de plusieurs chrétiens de l'Église et du réveil, et même les catholiques. On pense que cette position n'appartient qu'aux autres. Mais je vais t'annoncer autrement. Comme il a parlé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 5, au verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Alléluia. Un homme faisant quoi? Il tomba sur la face de lui, de Jésus. Et quelle prière qu'il a fait? Seigneur, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Alors ce matin, tu crois? Adopter l'habitude de prendre ton front là et de le mettre au sol. Vous demandez à Dieu la guérison des finances, la guérison de la santé, la guérison de la lèpre. Pourquoi cette maladie-là est incurable? Mais devant l'Éternel, elle n'est pas incurable. Elle est toutaniste. Mais l'Éternel peut curer cette maladie-là au travers de quoi? Au travers de ta soumission du front. Apprenez à vous laisser devant Dieu. Apprenez à mettre vos fronts au sol. Apprenez à mettre ton front au sol devant la face de l'Éternel. Tu demandes le travail à Dieu, humilie-toi devant Dieu. Tu demandes la santé à Dieu, humilie-toi devant Dieu. Tu veux voir un pasteur, humilie-toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent l'ingérence que certains font aux hommes de Dieu comme étant de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Celui qui est connecté à l'esprit, c'est que c'est monsieur là, c'est un homme de Dieu. Je ne peux pas saluer un homme de Dieu si c'est un ami. Quand je rencontre, je veux recevoir ce qu'il y a en lui. Par conséquent, je m'incline pour le saluer afin de recevoir la majesté qui règne dans sa vie. Et lorsque tu le salues comme ton ami, il ne va certainement pas te faire cette remontrance ou cette observation. Mais tu vas recevoir le salaire de la vie. Alléluia. Lorsqu'on vient dans une église, on se soumet à la volonté de Dieu. Vous avez la petite de feu là. Il n'y a pas seulement que. Il a dit c'est si je veux. N'imposez pas à Dieu vos choix. Parce que vous êtes malade. Lorsqu'on est malade, on se lie de la présence de Dieu. Alléluia. Même Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu 6:39, regardez lui-même qui est le Messie. Alléluia. Avant même d'abord qu'on ne parte là-bas, je veux te ramener dans cet esprit. Mais moi, Néhémie. Alléluia. Néhémie, viens. Alléluia. Pasteur Lenel, viens. Il faut aussi mettre une femme. C'est bon.
Néhémie, chapitre 8, verset 6. Je suis en train de donner la révélation des choses cachées. Prenez ce qui est bien chez les autres. Prenez ce qui est juste chez les autres. Arrêtez de faire des choses en main à cause de la manière à laquelle on vous a péché. Jésus est bien le nazaire. Vous demandez pourquoi qu'est-ce que Isaac, quand il est allé à Jésus-Christ, vous avez les problèmes d'argent. Vous avez les problèmes d'argent, les problèmes de loyer, les problèmes de fonction, les problèmes de vie. Mais quand tu as une relation, tu ne peux pas pour. Tu ne peux pas faucher quoi? Parce que tu as une chose, les autres ont développé. Alléluia. La Bible dit quoi dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 6. Intrance de l'Éternel, le grand de l'Éternel. Il répond. Marie, la mère de Jésus, est dans le courant. Nous, on a qui? Le
Bible, du Coran avec Bible. Sortons de la distraction. Moi, je refuse de perdre le ciel et je refuse d'être amené de l'autre côté. On doit tous aller là où Dieu a prévu qu'on doit partir. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, verset 31? Ayant fait quelques pas en avant, Tu parles de Jésus. Oui. Il se jeta sur sa face. Jésus se jeta sur quoi? Sa face. Pardon, tu t'allonges mal. Voilà. Il se jeta. Puis on se jette. Alléluia. Quand on se jette. Alléluia. Là, il se jeta quoi? Sur sa face. Et pria. Et prier ainsi. Mon père, s'il est possible, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Alléluia. S'il est possible que la croix s'éloigne de lui. Pourquoi? Parce que la chair avait parlé, le sol avait parlé, la matière avait parlé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, la parole de quoi? S'accomplir. Et la Bible dit quoi? Toutefois. Non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux. Soumission. Mais ce que tu veux. Alléluia. Tu as dit. Les écritures doivent s'accomplir. Alléluia. Jésus avait sa volonté. À un moment donné, la pensée qui m'avait pour lui-même. Il s'est dit, quand je suis chrétien, je ne dois plus penser par moi-même. Je ne pense plus par moi-même. Mais je pense à celui pour qui je suis sauvé. Celui qui a pardonné mon péché à la croix. Alléluia. Je dis à toi. Il parle de la tête au sol. Il parle à son père. Il appelle à Dieu de l'être humain là-bas. Il parle à qui à ce comme ça,
tu l'as vu ça à l'intérieur. Dis à ton voisin, je ne peux pas dans le ciel avec un PM. Le fond ici, c'est les yeux de l'esprit. Le front est les yeux de l'esprit. Vous avez compris pourquoi Dieu demande à chaque chrétien de faire attention lorsque vous allez dans l'église. Les gens ne poussent pas ton front n'importe comment. Nous ne sommes pas ici. Alléluia. Et nous sommes en train de descendre dans notre prédication par Apocalypse. Alléluia. Par Apocalypse. 14, verset 9 à 10. Nous sommes en train de rentrer dans l'Antichrist. Et vous devez faire attention. Il y a trop de faux pasteurs. Il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux prophètes. On a dit pasteur est appelé prophète. Il fait 3 ans de ministère pastoral, 3 ans apôtre. L'année qui va suivre, 8 ans plus tard, il est prophète. Après prophète, il est prophète Abishibishop. Après Abishibishop, il est maintenant prophète Tikatish. Parce que lui, il a caché. Parce que lui, là, il a terminé avec la dignité. Il est maintenant dans la cachité. Quelqu'un dit aime-le. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Suivez ça, s'il vous plaît. Alléluia. Et un ange. Un troisième ange les suivit. En disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête. Si quelqu'un adore qui? La bête. La bête. Et son image. Et reçoit une image forte. Et reçoit une voix. Sans frein. Sur quoi? Sans frein. Sur quoi? Sans frein. Alléluia. Foutu toutes les personnes qui adorent la bête ont toujours un nom sur leur front. Si tu adores la poisson, tu auras un nom sur ton front. Si tu adores les femmes, tu auras un nom sur ton front. Si tu adores l'impudicité, ce sera marqué sur ton front. Si tu adores des choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel, ce sera marqué sur ton front. Si tu n'as même pas besoin de te justifier devant Dieu. Seigneur, j'ai venu à l'église, j'ai payé la dîme, j'ai venu, Seigneur, je suis bien. Mais dans ça là, il y a un problème. Pourquoi? C'est encore une chose. Il a dit, c'est quoi? Master, je sens que tu as un problème. Alléluia. Comme il vous dit, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et un autre troisième ange le suivit en disant, si quelqu'un adore la tête de son image, il reçoit la marque sur son front, ou sur sa main. Il reçoit la marque sur bas. Ou sur quoi? Alléluia. Voici ce que les hommes ne pensent pas ensemble. Quand tu continues à la prière, deux fois, tu dis quoi? Tu mets là-bas, c'est la même. Si c'est un satanique, il va te dire quoi? Et quand on arrive dans le grand magasin, quand on n'arrive pas à demander le prix de la chose, l'appareil, on met quoi? Un col sur la boîte de l'air. Comment? L'Antichrist est en train d'arriver. C'est pourquoi vous devez beaucoup vous dans quoi? La prière. Vous devez vous dans la prière. Vous avez le droit de dire à tout homme de Dieu. Quand vous iriez aux États-Unis, quand vous iriez à Chibanga, quand vous iriez en tout, quand vous iriez dans vos quartiers, dans vos églises, papa, homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Apparemment, dans ton église, il y a beaucoup de personnes. Les animés, hein, encore, ne touchent pas ma tête. Alléluia. Ne touche pas ma tête. Ce n'est pas toute la tête sur le front. C'est là où on voit quelqu'un. C'est là les yeux de l'esprit. C'est ici où on le voit. Tout se passe ici. Tu veux
Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. C'est ça ou c'est pas ça? Le Dieu de vous. Alléluia. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu dois comprendre pourquoi tu dois changer. Tu dois comprendre comment tu dois être riche. Parce qu'après parler physiquement, il faut toujours que ta voix se tienne. Même si on le croit. C'est ça. Tu n'as pas tout fait que tomber. Mais c'est ça. Aussi, c'est quand tu tapes les pieds au sol. Il y a une image qui me manque. Si tu sens que c'est trop fort, aussi maintenant, tu t'assois. Tu vas respirer les mots. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. La manière que tu acclames là détermine aussi ta victoire. Contaminé par la reine de Babylone, ce carnet là, c'est là pour poursuivre. Alléluia. Le fils du roi est clément. Le prince, ma soeur elle est duchesse. On m'appelle Jean le prince. Alléluia. L'amour, la duchesse. Je suis le prince. Donc, il faut faire attention au titre. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi commence à préparer cette chapitre. Le Seigneur.